La CONAF de Kédougou a mobilisé les membres du Parlement des enfants pour célébrer le 16 juin en souvenir du massacre des enfants de Soweto. C'est une journée qui nous fait rappeler des enfants de Soweto en Afrique du Sud qui ont été massacrés le 16 juin, en tout cas dans le cadre du soulèvement. Donc c'est dans ce contexte que chaque année, en tout cas, nous célébrons la journée du 16 juin, à l'instar de tous les pays africains. Cette année, le thème général, c'est 30 ans après l'adoption de la Charte, assurons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. La place de cette journée est utile dans le paysage de la protection de l'enfant, en témoigne le président du comité départemental de protection de l'enfant. C'est une journée de réflexion, qui permettra, effectivement, à nous adultes, parents, mais aussi aux enfants, de réfléchir sur, en tout cas, d'abord identifier les problèmes existants au niveau de notre cadre social, au niveau à l'école, au niveau à la maison, dans la rue, dans les champs, dans les duras. En tenant compte de la spécificité de Kédougou, les organisateurs ont mis l'accent sur une sous-thématique propre à cette région, le travail des enfants dans les duras. Cette année-ci, au niveau local, nous avons pris le travail des enfants, qui est donc un thème d'actualité, surtout avec l'émergence des duras au niveau donc, de la région de Kédougou. En tant que conférencier du jour, face aux enfants, le président du comité départemental de protection de l'enfant, par ailleurs préfet de Kédougou, a fait une analyse de la situation en rapport avec le sous-thème. Ce qui se passe, est-ce que les enfants sont bien traités? Est-ce qu'il y a des problèmes avec les enfants? Et ensuite, essayer de trouver des solutions, mais trouver des solutions avec les enfants. Les enfants ont leur mot à dire par rapport à ça. C'est pourquoi on doit toujours les interroger pour leur demander sur quel problème. Par exemple, le problème des talibés qui sont dans la rue de 8h à 19h, est-ce qu'il y a une solution? Le problème effectivement des enfants qui sont au niveau des duras avec des produits dangereux, est-ce qu'il y a des solutions? C'est-à-dire que demander aux enfants d'abord, ils en pensent quoi? Leur idée par rapport à ça, leur version des faits, et ensuite leur demander de proposer des solutions. Les éclairages des conférenciers ont permis aux enfants d'avoir suffisamment d'arguments pour pouvoir mieux défendre leur cause. Travailler, aider ses parents à la maison et travailler des enfants, ça fait deux. Travailler des enfants, c'est la surexploitation des enfants, tel que faire travailler les enfants en les faisant porter des sacs lourds ou en les amenant au Jura, en les faisant laver l'or avec des produits qui sont toxiques, c'est différent. Et aider ses parents, c'est quasiment différent parce que, par exemple, je peux trouver ma mère en train de laver les habits, je décide de l'aider. Ça fait partie de l'éducation des enfants. Ces enfants aujourd'hui, comme par exemple ces enfants qui travaillent au marché ici en prenant des sacs lourds, c'est pas bon. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils viennent de rassurer mes parents. Tel que pour leur expliquer qu'aujourd'hui je suis jeune et j'ai pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de me surexploiter.